Comment ça va les garçons après ce match et cette belle victoire face au Biarritz Olympique? Ça va parce que comptablement on ramène 4 points, même si ça aurait pu être mieux parce que on perd le bonus quand Biarritz marque. Voilà, bon, on va pas faire les fines bouches, on les prend, mais bon, ça peut toujours être mieux quoi, la preuve, parce qu'on avait le bonus je crois autour de la 60e et qu'on le perd, donc on aurait pas dû le perdre. On a été fébrile à ce niveau-là du match et voilà, ça nous coûte un point. Félix, 13 à 9 à la mi-temps, les choses n'étaient clairement pas faites. Quelles ont été un petit peu les consignes ou est-ce que ce qui s'est dit un petit peu dans le vestiaire pour remettre un petit peu les idées à l'endroit là ? Non, on était bien, enfin, je pense pas qu'il fallait remettre les idées à l'endroit, on était dans le match, on faisait un match sérieux, appliqué, on était dans ce qu'on avait prévu de faire, bien sûr avec la chance qu'il ne pleuve pas en première mi-temps, on aurait pu jouer un peu plus, mais on avait prévu de bien les contenir, on savait qu'ils allaient jouer beaucoup au pied. Alors 10 nous a bien baladé d'ailleurs, mais on a réussi à sortir de cette impasse un peu là, donc c'est un bon match pour appréhender la suite quoi. Clément, ça a été aussi un gros match devant, on t'a vu, hein, ce soir t'as donné de ta personne on va dire, mais comme les 14 autres, voire les 22 autres acteurs, ça s'est joué où pour toi ? Déjà le rugby ça commence devant, donc on l'a vu ce soir, c'était un gros combat, surtout que la pelouse était très humide, ballon glissant. Donc forcément c'était un peu la bataille des rucks et je pense que tous les 15 plus les remplaçants on a répondu au combat que nous a proposé Biarritz ce soir. Ça s'est joué à l'envie aussi je pense, on avait très envie de ce soir de montrer de ne pas perdre la Carcassonne une nouvelle fois et je pense que à ce niveau-là on a réussi à les prendre.